J'espère que vous allez bien. Moi, bah, pas trop. J'ai très très mal au dos. Surtout un point dans le dos au niveau des bras. Donc, puis en plus, voilà. Mes douleurs sont jusqu'aux mains. Donc, bah, c'était pour faire un coucou, tout simplement. J'ai une allergie qui est à nouveau présente. Je sens bien. Je me soigne, mais bon, il n'y a pas d'amélioration, quoi. Pour l'instant, je ne fais rien puisque c'est surtout situé du côté droit, donc pour manipuler les choses, bah, c'est pas évident. J'ai le petit doigt qui se déforme déjà. Oui. Se courbe vers l'intérieur. Celui-là qui veut pas aller plus loin. Donc ça, c'est déformation. Ah ben là, ça soulage un peu. On va peut-être faire de l'exercice. Hein. Normalement, c'est 3 fois par jour. Alors, le toucher du sol avec les doigts, les petits cercles d'un côté et de l'autre, les bras à l'horizontale. C'est dur. Devant, comme ça, s'étirer après une porte. Après le haut d'une porte. Mais bon, ça, faut que je sois en forme pour le faire. Et puis, c'est tout. Il y a quelque chose, s'étire d'abord. Ça, après ça, de l'autre côté, ça fait 3, toucher le sol et s'étirer, ça fait 4 et 5. Donc ça, c'est pour redresser mon dos. Mais là, je me suis réveillée. Quelques minutes après, c'était la grosse douleur. Pourtant, j'ai rien fait. J'ai rien fait de spécial. Et ben, tout. On va s'étirer. Exercice du matin. Là, je sens bien le point à la colonne. Je sais où il faut qu'il pique. Ah, faut qu'il pique là parce que c'est le point le plus sensible. Donc cet après-midi, j'ai rendez-vous à quelques heures. J'espère que ça va me soulager un petit peu. Parce que là, les bras, ils en prennent un coup. Alors là, oui, je suis pas du tout au top. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? On va pas. Je vais essayer de me tenir un peu plus sur la gauche.
On va pas se refaire, hein. C'est pénible. Enfin, j'ai déjà réussi à combattre l'infection généralisée. Non. Donc, j'ai plus d'infection généralisée, ni sur les fesses, ni sur autre part, ni dans le dos. J'en ai eu un peu sur le ventre, mais ça s'est passé. Donc, je suis très satisfaite de mon corps. Il a combattu ça. Il va bien combattre cette fichue scoliose. Voilà. Mais bon, c'est mon lot, hein. Je suis tout le temps attaquée par des maladies, des problèmes de santé. J'ai une santé très très fragile. Et c'est l'inconvénient, parce que je peux pas faire ce que je veux. La vôtre. Eh ben oui. Donc quand je peux faire, je fais. Mais quand je peux pas faire, j'essaie de vous passer un petit coucou. Dire bon bah ça va pas. Voilà. Parce qu'il y a des gens à côté qui s'inquiètent. Comme Lunasia. Soso, etc. Il y a des gens qui se posent la question pourquoi ils n'ont pas de nouvelles, comme Scraptiti. Bon, je tiens quand même à donner quelques nouvelles. Même si c'est pour dire, bon, bah, aujourd'hui, ça va pas être ça. Là, ça fait 2 jours où je suis mal. Bon, hier, j'étais vraiment dans le gaz. Déjà, on me réveille. Alors, ça, je peux pas. Je passe pas une journée correcte si je me fais réveiller. Et là aujourd'hui, bah, en fait, j'ai fait mes 12 heures de sommeil. Ça fait du bien. Franchement, ça fait beaucoup de bien. Et bah, là, c'est le dos qui pèse, quoi. J'ai le dos en vrac. C'est une douleur permanente. Entre les omoplates juste en bas des omoplates à la colonne, et c'est un point hyper sensible. Donc quand c'est comme ça, j'ai les bras qui sont touchés et je peux rien faire. J'ai beau me soigner, prendre mes médicaments dès que je me lève. En plus, là, j'ai les corticoïdes pour l'allergie. Et puis, je viens de prendre le doliprane. Donc, j'espère que ça va se passer dans le quart d'heure, voire la demi-heure. Enfin, j'espère légèrement. Bah, sinon, j'ai hâte qu'il me fasse la piqûre quand même. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Bon, un point négatif, c'est que ces gants sont en rupture de stock.
Donc, tu peux pas les inventer. C'est pas grave, je mènerai des gants numéro 8. Je vais lui demander si ça lui convient. De toute façon, c'est ce que je mets et je m'en servirai pas. Si c'est pour me toucher, moi, ça me dérange pas. J'ai les oreilles qui ont fait un coup de légère infection blanche. Donc c'est pour ça que j'ai pas de boucle d'oreille. Je les ai enlevées hier soir et puis ce matin c'était. Il y avait une petite croûte avec du blanc. Donc j'ai décidé de ne pas les remettre aujourd'hui. Laisser mes oreilles se reposer parce qu'elles sont dans un état pitoyable. J'ai mal. Donc un petit coup de désinfection, ça va pas être du luxe. C'est de l'alcool, ça va peut-être pas piquer parce que ça fait quelques heures que je les ai laissés comme ça. Mais j'ai pas de coton. Alors, il me faut du coton. Bon, sinon. On va avoir une aide ménagère. Ça va être du luxe. Voilà. Moi, je peux pas faire de ménage avec mon dos. Je comprends pourquoi maintenant. Ouais. Je pouvais pas avec mon bassin parce que je pouvais pas bouger mon bassin. Et maintenant, c'est la colonne. Alors bon, ben, faut faire avec. Je ne suis pas coiffée, je suis désolée. Ouais, non, mais ça se doit se voir à mes yeux que ça va pas. J'ai l'impression d'avoir un feu de joue là. Alors que c'est pas rouge. Oh, j'ai le ventre qui fait des glouglous. Ce matin, je me suis réveillée. Vous savez quoi? Je vais vous raconter une histoire. Ce matin, je me suis réveillée parce que j'ai pété. Ça m'a réveillée. Lol. La fille est pétée, ça la réveille. Véronique. J'étais choquée. Non, mais c'est pas vrai. Puis la musique était à fond, donc ça m'a encore plus réveillée.
comme quoi rien peut me réveiller. Hier, c'était l'infirmière. Ce matin, le paix. Oh non, mais il y a des jours. Eh ben, il y a des jours où on n'arrive pas à dormir. Bon, ben, sinon, si ça commence à aller mieux, ça commence. Un soulagement. C'est le Doliprane qui fait effet. Jackie qui dort. Il a passé la nuit à faire le ménage. Donc l'aide ménagère arrive. En tout cas, j'espère que mon astuce rangement de Dyes vous a aidé en système D quand on n'a pas de trucs solides. Eh ben, là, j'ai trouvé la solution, quoi. Donc voilà. J'ai ma vachement rouge hein, quand même. Hein. Moi, la droite moins que la gauche. Mais j'ai pas de crise. J'ai juste les mains toutes rouges. Ça doit être à me tenir. Donc il faut que je repose mes mains un petit peu. Mais j'ai rien fait. J'ai rien fait de spécial. Par contre, le fait qu'il me diminue le lyrica, c'est pas terrible. Mais remarquez, mon corps il doit être tellement habitué que bah ça doit plus agir. Voilà. Bon, bah sur ce. Je vais vous laisser là. C'est le vote qui déraille. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à plus.